Martha Argerich est l'une des plus grandes pianistes de tous les temps. Après avoir entendu une jeune collègue, elle est allée lui faire une bise sur la joue et lui a dit « Tu es très bonne, tu sais. De la part de Martha Argerich, je peux vous dire que ce n'est pas rien. » Puis, elle l'a invitée à jouer une série de concerts chez elle, à Lugano. Cette jeune pianiste mérite donc qu'on l'écoute avec toute notre attention. Elle est parmi nous ce soir. Voici Sophie Pacini. J'aime bien imaginer comment c'était à l'époque de Schumann, de Chopin ou de Liszt. À notre époque, tout va tellement vite. Alors j'adore m'asseoir au piano et me plonger dans la musique d'autrefois. Si je pouvais choisir l'époque à laquelle j'aimerais vivre, je choisirais le siècle de Schumann et de Liszt. Avant un concert, j'ai le trac et je suis très concentrée. Mais une fois sur scène, je lâche prise. Je garde un certain contrôle, bien sûr, mais je me sens bien sur scène. Thank you.
Sophie, tu parles italien et allemand. Pourquoi parles-tu si bien l'italien ? Mon père est italien. Quelle chance. Ta mère est allemande ? Oui, c'est cela. Que parlez-vous à la maison ? Un mélange des deux. Un mélange, d'accord. Sophie, tu es une habituée de la télévision. On peut dire cela, non ? Oui. En 2007, tu as participé à l'émission de la ZDF, Classic Kids. Oui. Que s'est-il passé dans ta vie depuis ? Plein de choses. Je crois avoir dit dans l'émission que je rêvais de rencontrer Martha Argerich. Tu ne la connaissais pas encore ? Non, je l'ai rencontrée il y a 2 ans. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. On se développe beaucoup entre 15 et 20 ans. C'est très émouvant pour moi d'être de nouveau invitée à la télévision. Cette fois-ci dans Star de demain. C'est plus dur de faire carrière comme chanteur ou comme pianiste ? C'est beaucoup plus dur comme pianiste. Le monde n'a besoin que de 12 pianistes. Les autres deviennent professeurs de piano. C'est tragique. Il y a beaucoup de grands musiciens. Prenez Lang Lang. En Chine, 20 millions de pianistes jouent comme lui. Sauf que lui a eu la chance de se former aux États-Unis et d'y faire carrière. Sophie, tu dis que tu veux être une interprète, pas un automate. Qu'est-ce que ça signifie ? Pour moi, il ne s'agit pas de jouer le morceau, mais de le vivre, de le raconter et d'emmener le public en voyage. Avant un concert, je me concentre au maximum. Je rassemble toute mon énergie pour pouvoir ensuite la laisser sortir. Après, je suis vidée. Tu y es parfaitement arrivé aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo.